Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, une vidéo absolument inutile et absolument détestable. Ça va être une vidéo d'auto-promo. J'aime pas beaucoup ça, l'auto-promo. Vous savez que je me fais quand même assez discret, je suis pas à la recherche de vues, de choses comme ça. Mais là, j'avais besoin de vous faire une petite vidéo pour remettre quelque chose au point, notamment sur ma présence sur certains réseaux. Parce que ben, malheureusement, on n'est pas tous égaux devant la visibilité. Et ma foi, à quoi ça sert que je me mette sur des réseaux si c'est pas pour être visible? Donc j'aimerais juste recadrer deux ou trois trucs. Et pour une raison bien précise qui viendra en deuxième partie. Ce sera une vidéo assez courte, mais il y aura deux parties. Dans cette première partie, j'ai envie de vous rappeler que je suis présent donc sur Dailymotion et sur YouTube. Les deux. Donc c'est-à-dire que les vidéos arrivent sur Daily et généralement le lendemain ou dans la journée qui suit. C'est la même chose ça d'ailleurs, le lendemain et la journée qui suit, c'est pas grave. Sur Daily et sur YouTube, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Il n'y a pas d'exclusivité à l'une ou à l'autre. Mais je suis également présent sur Facebook, sous le pseudo. Alors la petite particularité de Facebook, c'est que dans certaines de mes vidéos, vous avez dû voir, c'était marqué à la fin, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout dans les crédits, c'est marqué Facebook Doc McCoy 0. Ça, c'est l'ancien compte. Ça, c'est le compte perso que j'avais créé, que j'ai dû transformer en fanpage pour éviter qu'il ne soit supprimé. Parce que vous savez que dans le règlement de Facebook, on n'a pas le droit d'avoir un compte perso pour une personne qui n'existe pas. En l'occurrence, Doc McCoy, pour l'état civil, ça n'existe pas. Donc, je tiens à préciser qu'ils ne m'ont pas menacé, que personne ne m'a demandé de fermer mon compte. Mais comme apparemment, il commence à y avoir des vagues de coups de balai chez Facebook, notamment dans le milieu du cosplay, que je ne connais absolument pas, mais apparemment il y a pas mal de cosplayers américains qui se sont vus supprimer purement et simplement et sans avertissement leur compte Facebook non fanpage. Je me suis dit, plutôt que d'être emmerdé dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je vais le faire tout de suite, ce sera fait. Donc le nouveau compte, malheureusement j'aurais pu garder le même pseudo, malheureusement ça n'a pas marché, j'ai dû changer de pseudo. C'est Doc McCoy, mais à la place des O, vous mettez des 0. Des 0, C, M, C, C, 0, Y. Visuellement, ça passe mieux que quand on le dit. Donc retenez bien, Doc McCoy avec les 0 à la place des O. Ça, c'est pour Facebook. Je tiens à préciser que pour Facebook, vous avez dû entendre, il y a une news qui est parue, comme quoi, comme on est abonné à une fanpage, c'est pas parce qu'on est abonné qu'on reçoit toutes les publications de la personne qui tient la fanpage. Vous en recevez à peu près 10%. Donc, j'ai à peu près, je crois, il y a à peu près 110, 115 personnes au moment où je fais la vidéo qui sont abonnées à la fanpage, mais il n'y a pas, ces 115 personnes ne reçoivent pas les publications, ne reçoivent pas toutes mes publications. Pour ce faire, il suffit en fait de mettre la page dans les centres d'intérêt. Vous regardez sur la page Facebook, j'ai expliqué à un moment donné, vous remontez de quelques semaines, j'ai expliqué comment ça marche. Donc je pense que ça c'est un sujet que je remettrai régulièrement en tête de la page de la fanpage. Pour que ce soit visible. Et c'est valable aussi pour toutes les fanpages, tous les testeurs, tous les gens que vous suivez. Hein. Si vous voulez ne louper aucune de leurs publications, c'est pas parce que vous êtes abonné que ce sera le cas. Il faut absolument les mettre en centre d'intérêt. Donc moi, vous le faites si vous avez envie. J'ai ouvert également un compte sur Twitter qui porte le même pseudo. Hein, Doc McCoy avec les zéros à la place des O. Compte Twitter qui est résolument tout vide, il y a 4 personnes qui me suivent, donc j'en ai pas fait de promo, bah ça tombe bien, on va le faire aujourd'hui. Twitter c'est un outil que je maîtrise pas énormément, c'est un outil sur lequel on peut voir pas mal d'infos de plusieurs testeurs, il suffit de s'abonner en fait. Il y a pas mal de gens qui posent de temps en temps des petites news. C'est bien parce que c'est court, c'est-à-dire qu'on reçoit des petites infos comme ça sur le fil. Hop, on regarde, hop, on a des infos. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous abonner à VDM, vous recevez toutes les VDM, bon, c'est génial. Mais sinon, vous pouvez recevoir des infos de testeurs, des infos de développeurs de jeux vidéo, et de tout un tas de gens qui ont ou pas un rapport avec le jeu vidéo. Ça dépendra de ce que vous déciderez de mettre dans vos abonnements. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au compte Doc McCoy avec les zéros à la place des O sur Twitter. Dernière petite précision, vous avez remarqué que j'avais posté quelques vidéos de pub pour un site qui s'appelle Kasumi Ninja.
Et vous êtes pas vraiment demandé ce que c'était. Je pense qu'il y en a qui sont dit que c'était un délire. Qu'est-ce que c'est qu'Asumi Ninja? Bah, c'est un forum, tout simplement. Vous avez peut-être vu une vidéo de Julien34 qui expliquait ce que c'était. C'est un forum tout bête, tout simple, entre quelques amis. Donc moi, je fais partie de ce forum. J'y suis très régulièrement. Il y a un Mumble, j'y suis souvent. On est plusieurs comme ça à monter un petit forum de notre côté parce que voilà, on n'avait pas forcément trouvé notre place au sein des différents gros ou moyens forums rétro gaming qui existent. Donc on s'en est créé un petit pour nous. C'est globalement un forum où on rigole, on se prend pas au sérieux, on parle de jeux vidéo de manière libre et en général non censurée. C'est-à-dire qu'on n'est pas vous pouvez venir et nous dire que nos arguments ne sont pas pertinents sur telle ou telle console, tel ou tel jeu, à condition que vous ayez vous-même des arguments pertinents à présenter. Mais on peut débattre, il n'y a pas de souci. Donc Kasumi Ninja, je vous mettrai l'adresse évidemment, elle apparaîtra au moment où je vous explique ça. Un site où que je fréquente beaucoup. Donc si vous avez envie de venir discuter avec moi et avec quelques-uns de mes amis, tout simplement, vous pouvez venir sur Kasumi Ninja, c'est un peu la manière la plus simple. Vous pouvez me contacter par MP, sur Twitter, sur Facebook, sur Daily, sur YouTube, mais la manière la plus simple de me contacter, c'est de venir sur le forum Kasumi Ninja. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Pourquoi je vous explique comment vous pouvez avoir mes publications, comment vous pouvez voir ce que je fais, me parler, etc. Bah, tout simplement, vous savez qu'en mois de février, il y aura une vidéo bilan 2 ans. Voilà, ça fera 2 ans que je fais des vidéos. L'année dernière, il y a eu un bilan des 1 an en février. Et ben cette année, il y aura un bilan des 2 ans. C'est très con ce que je raconte, mais c'est le cas. Et pour ce bilan, ben, j'avais pensé, d'ailleurs c'est très original, ça a déjà été fait par des millions de testeurs, mais j'avais envie de faire ça parce que je trouve ça sympa. J'avais envie de vous faire contribuer. Comment? Tout simplement en vous demandant de poser des questions, de me donner en MP les questions que vous avez envie de me poser. Que vous n'avez pas osé me poser parce que voilà, vous vous disiez que j'allais pas répondre, ou parce que c'est, voilà, vous voulez pas, je sais pas, je sais pas pourquoi vous me posez pas de questions, peut-être que tout est très clair, peut-être qu'il y aura pas de questions. Si vous qui me regardez, qui suivez mes vidéos depuis longtemps, ou depuis peu, ou qui me découvrez à travers cette vidéo, pourquoi pas, n'hésitez pas à me contacter par MP, donc sur les différents, n'importe où, hein, c'est-à-dire Daily, YouTube, Facebook, Twitter ou Kasumi Ninja. Par MP. C'est important que ce soit des MP parce qu'il ne faut pas que les gens sachent ce que ça va être comme question. Parce qu'il y aura peut-être beaucoup de questions, mais je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. J'espère qu'il y en aura quand même un petit peu, que ça me permettra de faire le tri, ça me permettra de choisir les plus intéressantes, en tout cas à répondre en vidéo. Si c'est une question que je n'estime que je n'ai pas envie d'y répondre en vidéo, mais qui m'estime que j'ai auquel j'ai envie de vous répondre, je vous répondrai, j'essaierai de répondre à toutes les questions, que ce soit dans une partie de ce bilan des 2 ans ou dans une en MP, tout simplement. Sachant que s'il y a beaucoup de questions, je pense que je ferai une vidéo à part, c'est-à-dire que je ferai le bilan des 2 ans et une vidéo réponse aux questions. S'il y a peu de questions, je l'intégrerai dans le bilan. Parce que concrètement, il y a des choses que je ne vais pas redire par rapport à l'année dernière. Donc ce sera un bilan des 2 ans, mais il y aura des choses que je ne vais pas répéter. L'année dernière, j'ai fait vraiment un bilan complet. Là, je ferai un bilan des 2 ans, bilan de ce que j'ai fait, bilan d'un petit peu tout ce qui gravite autour du rétro, et j'aimerais aussi répondre aux questions. Voilà. Donc après, si vous n'avez pas de questions à me poser, c'est tout. Peut-être que tout est clair, vous n'en avez rien à foutre, je ne sais pas. Mais non, n'hésitez pas à me contacter par MP sur les différents endroits donc, que je vous ai cités pour me poser les questions que vous avez toujours eu envie de me poser et que vous n'avez jamais osé me poser. Voilà. Donc je sais très bien que ça a déjà été fait, hein, ça a été fait par Hooper. Alors je vous promets de ne pas faire du Hooper. C'est-à-dire que là, je vous promets je m'engage solennellement, là, vous ne voyez pas, mais je lève la main droite. Je m'engage solennellement à ne pas faire des réponses qui durent 3 quarts d'heure. Hein. Je m'engage solennellement à répondre de manière claire, précise, mais pas longue. Parce que bah, c'est un peu vous. C'est-à-dire que si vous m'envoyez beaucoup de questions, je serai obligé de faire des réponses courtes. Si vous m'envoyez peu de questions, je ferai des réponses courtes quand même, parce que je serai obligé de l'intégrer dans le bilan des 2 ans. Voilà.
Merci à tous de votre attention pour cette vidéo absolument inutile. N'hésitez pas à venir me voir sur Dailymotion YouTube. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou sur Facebook, sur Twitter ou pourquoi pas venir délirer avec nous sur Kasumi Ninja. Merci à tous, c'était Doc McCoy. Salut!